Téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, le corps de l'illustre disparu, le grand Joachim Dayen, l'archevêque émérite de Bangui, qui a atterri à l'aéroport international de Bangui à 14h. Après les premières cérémonies par Monseigneur Nongo, qui est président de la conférence épiscopale centrafricaine, le corps a pris la route avec un cortège très remarquable parce que il y a eu tous les fidèles de Centrafrique qui ont accompagné le corps au cours du chemin. Et dans ce cortège, nous avons vu le cardinal archevêque de Bangui était là, le cardinal Zapalainga, le président de la conférence épiscopale de Centrafrique, les évêques des diocèses de Centrafrique, Monseigneur Louis Portela qui vient de Congo-Brazza, et il y avait aussi le nonce apostolique, sans oublier le secrétaire de la conférence épiscopale, Monseigneur Cédric. Nous n'avons pas oublié aussi Monseigneur Bondobo, qui est le vicaire général de l'archidiocèse. Et tout au long de ce chemin, malgré qu'il y avait la pluie, les fidèles sont restés en train de suivre leur pasteur qui passait, était avec leur pasteur, et ils pleuraient parce qu'il y a beaucoup de souvenirs. Ce grand évêque qui a réalisé beaucoup de choses dans cette église, aujourd'hui on le pleure. Bien sûr, il a quitté Bangui en 2002 à cause de maladie, il est parti en retraite de manière prématurée et Dieu l'a gardé jusqu'en 2023 où il a rendu l'âme le mardi 13 juin 2023. L'attente a été longue avant que le corps ne puisse arriver ici à Bangui. Finalement, le corps est arrivé et c'est ce qui a provoqué l'émoi dans les âmes de tous les fidèles de Centrafrique. Je parle seulement des fidèles de Centrafrique, mais aussi de croyants d'autres religions. Nous avons vu des musulmans, nous avons vu aussi nos frères chrétiens, les protestants. Et maintenant, nous sommes déjà à la cathédrale. Ici, à la cathédrale, le corps est arrivé, accueilli par le cardinal Nzapalaying, archevêque de Bangui, qui a commencé par la prière à l'entrée de la cathédrale. Et finalement, le corps est exposé maintenant à la cathédrale, où les gens sont en train de se recueillir, en commençant par les évêques qui se recueillent, et les prêtres, les religieuses, et plusieurs fidèles comme vous-même. Vous voyez dans les images, nous ne savons pas faire les commentaires parce que et il y a eu plusieurs fidèles, des milliers de fidèles de l'aéroport jusqu'ici à la cathédrale. Nous serons toujours d'actualité pour que vous soyez au courant de tout ce qui se fera au cours de ces obsèques. Voilà, nous vous disons sincèrement merci. Et vis avec nous au secret de nos cœurs, rien ne peut nous le faire oublier. Pour sauver de l'oubli la mort du bien-aimé. Nous voici rassemblés. M'abandonner entièrement dans ton amour vaut tous les sacrifices. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie et prends aussi pitié de moi. Par ton amour, mon Seigneur, ne me lâche pas. J'ai marché et tout.
Seigneur mon Dieu, ne m'oublie pas. Je marcherai toujours en suivant tes pas. Mon âme n'a besoin que de ton visage. Oh mon Jésus, car c'est toi qui me libère de tout blocage. Toute ma vie tenu compte de ta dignité. Un grand témoignage. Tu étais assis à la droite du Père. J'ai accepté de descendre jusqu'à chez nous. Bana de Bissau, si mon Seigneur Daniel Asina Adala, afin que nous aussi nous puissions recevoir la divinité. Aide-nous que le péché ne soit pas notre entité. Dans mes péchés, Seigneur, prends pitié de moi. Et ton salut ne s'éloigne pas de moi. Mes faiblesses, mon Dieu, prends soin de moi. Le monde où je vis est rempli d'embûches. L'ennemi me guette avec grande farouche. Je prononcerai ton saint nom dans ma bouche. Dans la bergerie, le loup menace la paix. Mokiri moga. Nandoti sese ti ababa timo. Nandoti sese ti akotara timo. Kitene mowu tera timo na popoti. Kotabua iyambamo. Iyambamo na toto. Iyambamo na vundu. Iundanamo kitene mosambela. Tene tiye. Mosambe la teneti eglisie. Mosambe la teneti kodroti. Kwe nani tongaso si na pekoti lwawe akota boaso kwe gendo so akega ti sara legio ko tongaso na eriti eglise. Dabeti mo na laniso monseigneur Joachim. Aye dans la crise singu ti bate masukulalo. Asalalo na nzoni kwe. Kiri mofa oko nzoni beti mo nalo laso singoso amunalo oko finiso loara biri nalati batemso eundamo na yereti Christ biati. Dieu de justice, tu connais tout en moi, car tout ce que j'ai et tout ce que je suis ne provient que de toi. M'abandonner entièrement dans ton amour vaut tous les sacrifices. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie et prends aussi pitié de moi. Par ton amour, mon Seigneur, ne me lâche pas. Je marcherai toujours en suivant tes pas. Par ta bonté, Seigneur, mon Dieu, ne m'oublie pas. Je marcherai toujours en suivant tes pas. Mon âme n'a besoin que de ton visage. Oh, Jésus, car c'est toi qui me libère de tout blocage.
honte de ta dignité. Un grand témoignage. Qui était assis à la droite du Père. Je m'abandonne. Tu as accepté de descendre jusqu'à chez nous pour prendre notre humanité. Afin que nous aussi, nous puissions recevoir ta divinité. Aide-nous que le péché ne soit pas notre identité. Dans mes péchés, Seigneur, prends pitié de moi. Que ton salut ne s'éloigne pas de moi. Dans mes faiblesses, mon Dieu, prends soin de moi. Que ton salut ne s'éloigne pas de moi. Le monde où je vis est rempli d'embûches. L'ennemi me guette avec grande farouche. Je prononcerai ton saint nom dans ma bouche. Mon âme supplie de penser. Si dans la bergerie le loup menace la terre, je ne crains de rien, je sais que tu me paies. Si les guerres, les angoisses, la mort me frappaient, je ne crains de rien, je sais que tu me paies. Partout au monde, on ne voit que les déboires. Je me prosterne en suppliant ton vouloir. Je ferai de mon bien vivre mes devoirs. Ma paix ne durera que sous ton pouvoir. Seigneur, il y a une seule vérité au fond de moi. Je t'aime réellement. Et j'espère tout recevoir de toi. Il m'arrive de dévaler dans la distraction. Secours-moi vite pour que je ne meure pas. Dieu de justice, tu connais tout en moi, car tout ce que j'ai et tout ce que je suis ne provient que de toi. M'abandonner entièrement dans ton amour vaut tous les sacrifices. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie et prends aussi pitié de moi. Par ton amour, mon Seigneur, ne me lâche pas. Je marcherai toujours en suivant tes pas. Par ta bonté, Seigneur, mon Dieu, ne m'oublie pas. Je marcherai toujours en suivant tes pas. Mon âme n'a besoin que de ton visage. Oh mon Jésus, car c'est toi qui me libères de tout blocage. Toute ma vie tenu compte de ta dignité. Un grand témoignage. Tu étais assis à la droite du Père. Je m'abandonne. Tu as accepté de descendre jusqu'à chez nous pour prendre notre humanité. Afin que nous aussi, nous puissions recevoir ta divinité. Aide-nous que le péché ne soit pas notre identité. Dans mes péchés, Seigneur, prends pitié de moi.